Compatriotes haïtiens frères chum, gros bonjour bonsoir pour nous toutes. Jean ça te prévoit après installation Premier ministre Gary Conil, il commencer poser jalon gouvernement là. Gagne 5 éléments primordiaux que Gary Conil l'était touché dans discours installation là. 5 bagages ça yo que lui promettent que lui prend des engagements sur yo vis-à-vis de pays, vis-à-vis de peuple haïtien. Nous pral gagner pour nous font retourner sous lit ou pral gagner tout détail. Yon lot bon compatriote haïtien frèchèm, gros bif éclaté entre actuel DG la police Franz LB ak ancien DG à Léon Chol. Et LB fait une déclaration qui leve plim sous dos en pile compatriote, en pile zami haïtien que l'en Haïti, que l'en diaspora et nous rete quoi? C'est dernier petit bout de loi qui pral chavire vazan. Parce que LB, franchement, non, li fait honte. Nous gagnons une vidéo, nous pote pour là. Si projet ça, compatriote haïtien frère Chum, li rive réalisé, Haïti pas prend longtemps pour lever Skofigil. Que ce soit face à face avec pays voisin, République Dominicaine, et en face avec reste monde qui souvent mettait Haïti dans mon camion, dans quel camionnette là qui toujours abdou Haïti son pays qui pauvre, Haïti c'est pays qui plus pauvre dans Caraïbes là, etc. Donc nous pral partager avec vous tout détail si là yo non souci pour kembe yo informé. Déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer petit cloche de notification hein, et comme ça ou rester connecté avec nous ou pas rater aucune non vidéo de formation. N'a pas gagné pour nous poster. Compatriotes haïtiens frères chum et République Dominicaine pays voisin nous et gouvernement qui monte à là, yo focalisé, yo m'pa caché di, yo gon seul grain monde qui capté qui attiré et administration Abinader. Parce que nous connaît gon gens dominicains yo a fait haïtien monter le ciel pas d'eau et yo obligé vraiment préoccupé yo de qui est-ce nous pral gagner comme ministre affaires étrangères, qui est-ce qui pral prend tête chancellerie haïtienne. Et dans ce sens ça dans toutes médias dominicains compatriotes haïtiens frères, eh bien c'est nouveau ministre affaires étrangères là madame Dominique Dupuis, c'est lui qui a fait actualité. Et est-ce que dominicains yo considérer choix Dominique Dupuis comme un bon choix? Et qui ça le capote en plus dans la diplomatie haïtienne? Non, eh bien, m'bral ba nou détail. Dans l'article ça que Listine Jorio li publié, eh bien, yo ta pral gagné reconnaissance du fait que Dominique Dupuis, nouveau ministre affaires étrangères haïtien, eh bien, c'est lui-même qui te fait bataille pour permettre à ce que traditionnel soupe jou mounou. Bon petit soup nous boit 1er janvier, nous est de qui soupe m'a parlé. Soupe jaune. Eh bien, c'est Dominique Dupuis qui t'a fait bataille pour rentrer soupe joumou dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc, non sans ça, compatriotes haïtiens frèchèm, Dominique aurait été quoi que nouveau ministre affaires étrangères haïtien, eh bien, li kapote yon bagay positif, li ka fè yon bagay positif pour diplomatie et haïtienne. Est-ce que c'est façon pas dominicain yo pou yo di que yo pral gen bagay nan bagay yo, yo pral gen travail pou yo fè? Parce que nous konnen, si yon bagay ki priorité et par rapport avec Jean Dominique a traité haïtien, Jean Dominique a mené diplomatie haïtienne, non? C'est au moins. Bay Dominique limite yo fè Dominique yo comprendre que nous gon relation bilatérale yo supposé ka traiter haïtien bien, yo supposé ka respecter droit haïtien gagner et nous même la caille pas nous pas bon la caille pas nous chef diplomatie li supposé travail pour faire respecter droit haïtien gagner dans l'autre pays, que ce soit dans livre yo document. Non, non, bon moment, yo suppose livrer moun yo passeport, livrer moun yo tout document officiel y a besoin yo. Et assurer yo tout, le haïtien qui nan pays Brésil, en République Dominicaine, nan pays Chili, États-Unis, Canada, n'importe côté sous Tiboute sa que Haïti gen relation diplomatique avec yo, eh bien, fok haïtien sa yo ka jwenn assistance lè yo besoin yo.
Donc, vini Dominique Dupuy, vini dans tête diplomatie haïtienne, non? Eh bien, li pas passé inaperçu, et pour Dominicain, il pas passé inaperçu, la caille voisin en République Dominicaine. Donc déjà, et tout ça nous a dit Madame Dupuy, c'est assurer lui faire bon travail pour lever ce qu'a fait la diplomatie, parce que Jean-Victor Généreux, c'est Gilles Brett-Migrené, vous comprenez? Lui-même avec Ariel Henry, tout côté yo passé, c'est tête à tête, c'est un coup zombie yo ye. Yo prend diplomatie nou an, yo passé l'en bas pied yo. Donc nous espérer et que madame la ministre li pral vini là et malgré pas gen en pile temps et m'a dit ça, m'a rappelé ça puisque gon zanmi et hier qui vini vin font mauvais débat avec moi. Et c'est comme quoi pour bagay m'a tande la di pourtant zanmi en mandé pour Gary Conille ta faut premier ministre ta prend 6 mois pour l'évaluer terrain. 6 mois pour évaluer terrain, nous gen tout temps ça, nous gen luxe ça devant, nous pas gen temps. L'homme dit ça, il dit oh non, Gary Conille vini, c'est comme si il était tout gen tout à fait dans mail pour lui faire, mais nous pas gen 6 mois devant nous pour nous rétablir sécurité. Question sécurité en c'est maintenant. Vous comprenez? Donc journée aujourd'hui, c'est dégager nous rapide pressé pour nous faire travail en bien, pour travail n'a fait pour arriver pour tes résultats pour population. Conseil présidentiel, ce n'est pas un président élu qui a un mandat de 5 ans. Son groupe moun, pour yon pas perdu, yon entend yon, yon a mette kap en transition 2 ans. Donc, nous pas gen temps, nous pas gen luxe dans ça devant nous. Et c'est travail pour moun yon commence travail, pour yon commence ba résultat. Donc, compatriotes haïtiens frères et sœurs, et c'est dans situation ça que Premier ministre Gary Conille li hier li installé, li commence installer cabinet li. Gagné ministre justice et monsieur M. Carlos Hercule qui installé hier gagné des démarches qu'a fait installation qu'a continuer faire jodi an. Donc travail là li pas campé. Avant nous aller plus loin, gagné une vidéo qui est extrêmement important, m'bra le partager avec vous parce que Gary Conille nous pral gagné pour nous venir sous ça, li gagné 5 chantiers, 5 grands axes que lui même avec conseil présidentiel là y a bien pour travail sous yo. Mais si plan ça même Jean haïtien nous te mettez tête nous ensemble nous faire canal là, si véritablement pays d'Haïti l'état haïtien ta vle fond relance économique ta vle lever ce qu'on figue pays d'Haïti à travers devant yeux reste monde là, m'pense yo ta supposé reler instigateur plan ça pral tande hein pour yo di ki sa nou ka fè ensemble pou Haïti. Comment nou ka travay ensemble pour nous réaliser projet ça parce que son projet qui faisable. On nou al gade et tande ensemble parce que et m fon ti illustration pour nous dans vidéo a. Nou pral gagner détail. On a. M pa konn sou comprendre, mais moi m comprendre. Moun ki nan pouvoir ak moun ki nan opposition c'est même bagay. Yo juste pas semblé. Yon groupe gen la police nan meni, gen la armée nan meni, gen kès l'état nan meni, gon l'autre groupe ki nan la real besoin fon koutou nan pouvoir. Mais au final, sou bien gade à travers l'histoire, c'est même bagay. En 1986, opposition a met toute la jeunesse nan la rue, boule caoutchouc, krasé vite machine, lop paysan pou yon di vle, pa vle, fok Duval y ale. Yon rive pran pouvoir, yon fè même bagay ak moun ki nan pouvoir, peut-être yon fè pi mal encore. Oui ou non? En 2004, pendant même moun sa yo nan pouvoir, y a fait même qualité bagay que Duvalier t'a fait. Gon l'autre nouveau groupe moun ki nan opposition, qui met la jeunesse haïtienne nan la ri, nan krasé ti souliers nan pied yo, boule caoutchouc, krasé vite machine, lok pays a vle pa vle, fok Aristide Ali. Groupe moun sa yo rive nan pouvoir, yo fait même bagay ak Aristide, peut-être yo fait pi mal ki Aristide encore. Donc y a plus insécurité, plus grand goût, plus misère, plus crasse. Chemin faisant, sous Préval, c'est la même chose. Vous voulez pas, vous voulez aller. Matéli, c'est la même chose. Vous voulez pas, vous voulez aller. Et autant de Jovenel Moïse, voulez pas, voulez fort Jovenel Moïse aller jusqu'à ce que yo touye monsieur. Parce que yo te pi bon passé Jovenel. Yo te dit depuis Jovenel aller, a bien sécurité sur tout territoire national là. Et moun pa jwenn manger, la vie chère baissée, dollar baissée, etc. Yo fait pi mal que Jovenel. Yo rangé quoi yo à côté de Ariel Henry. Yo fait règle tant yo dans pouvoir faire corruption et
peuple là même misère, même grand goût, même souffrance, même labour, même crasse là. Monde qui dans opposition avec monde qui dans gouvernement, c'est même bagaille. M'a continué dire nous jusqu'à ce que nous comprenne. Et me voulait dire jusqu'à ce que même monde qui soude rive tendil. Même si Dieu mérite Pierre lui, non, on pas changer. Même bon l'autre folie. Ma vie font l'autre forme d'opposition. N'arrive les gens nouvelés. Mais opposition pas maintenant. Jeunesse pays d'Haïti, jeune garçon, jeune femme, qui a ramassé armes, avec munitions, dans même monde qui dans secteur privé, dans même monde qui dans l'international, dans même politiciens qui dans pouvoir, politiciens dans opposition. On a l'autre option pour base. Suspendre boule caoutchouc pour monde. Mais option. Haïti tout neuf n'a tête collée avec compagnie agricole nationale là. N'a organisé une série de formations dans technique agricole. Nous pral former 1000 jeunes dans chaque commune. L'un rivé former 1000 jeunes dans chaque commune, ça pral ban nous 147 000 jeunes. Dans commune qui bon la caillou a commencé pas identifier qui côté l'état gen ferme agricole. N'a pas écrit l'état n'a mandé pour affermer nous ferme agricole li a. Évidemment, l'état besoin pour faire gros hôpital, n'a pas remettre li. Si l'état besoin ferme ni pour faire gros université, gros marché public, n'a pas remettre l'état ferme là. C'est faut affermer n'a pas fermer le domaine. Mais en attendant, n'a bien 1000 techniciens agricoles qui dans commune ouan, qui pral faire agriculture à grande échelle pour bay peuple qui dans commune nan manger. Ça veut dire dans 147 communes dans pays n'a pas bay peuple à manger. Maintenant, folie c'est qui ça qu'on y a. N'a pas cherché un groupe d'actionnaires qui pouvaient investir dans compagnie agricole là pour nous acheter gros tracteurs, gros motoculteurs, gros compacteurs, gros pompes hydrauliques pour nous faire arrosage, pour nous arroser terre. De telle sorte que, pendant que nous avons de gros actionnaires, c'est de gros investisseurs captant profit, gros profit, mais 1000 techniciens agricoles, yo yo même tout, yo pral actionnaires, yo pap investi l'argent, mais le fait que c'est des techniciens qui au même pral travail dans fait pépinière, fait plantule pour ne planter sous terre, yo même tout, yo pral gain bénéfice la terre pays d'Haïti pral venir joindre yo comme actionnaire tout. Donc yo pas investi l'argent, mais y a pas investi capacité yo, connaissance que nous pral ba yo, y a pas investi temps yo, yo aussi actionnaire tout. Donc imaginons, nous pral gon groupe d'actionnaires restreint, il capable 100, 150, 200, y a pas de souci. Mais nous avons 147 000 autres actionnaires sur tout le pays pour nous faire agriculture à grande échelle. Je veux dire, si nous voulons faire agriculture, peuple haïtien, pas compter sur l'État. Ce n'est pas faute de l'État s'il n'a pas fait agriculture. Parce que l'État a dans deux plats, mais l'autre pays ennemi nous. Pays qui dit, c'est ennemi nous. Mais c'est bon ennemi nous parce qu'il y a produit du riz pour voyer vendre nous. Il n'y a pas de temps que nous avons vendu du riz. Que nous avons produit propre du riz pour nous manger. L'autre état qui yo même a produit poule zé toute qualité l'autre produit agricole pour voyer vendre nous yo pas ta remi wè n'a produit. Donc par conséquent il faut que nous bay gouvernement yo vague parce que gouvernement yo prouvé que yo pas capable yo gen pied l'autre gouvernement l'autre pays sous kou yo qui fait yo pas ka faire agriculture l'autre gouvernement plutôt offre yo du riz pour cadeau. Charité nous, ti grain poisson, pour empêcher nous pêcher, pour nous gagner propre poisson par nous. Par conséquent, folie à pas l'autre bagaille. N'a pas cherché des actionnaires pour nous acheter pile tracteur agricole pour chaque commune qui a au moins un tracteur agricole. Avec tout accessoire qui est capable de simer, qui est capable de récolter, de, avec un pile technologie. Et là, nous gagnons 147 000 techniciens agricoles sur tout le pays. Nous voulons dans 2 ans pour nous bailler le pays à manger. Ça veut dire, plus passer 4 milliards de dollars produits alimentaires n'a importé dans pays là en a construit une autre classe économique pour 4 milliards de dollars ça arrêté dans pays là dividende on va partager entre les grands les moyens et les petits actionnaires et ainsi l'autre nation va commencer à respecter nous il va dire nous te fait une révolution politique mais fois ça nous fait une révolution économique. Nous retirer 20 nous, non mais l'autre nation. Moi-même, c'est Dieu mérite Pierre lui, nous on pas changé. C'est folie ça me gagne. M'a cherché l'autre monde pour me contaminer avec folie ça. M'vle ouais l'autre monde qui fou même j'avais. Parce que l'impossible ça n'existe pas. C'est la pensée qui mène le monde. C'est les idées qui mènent le monde. Avec ma folie, j'ai envie de vous contaminer. Et l'offre une contaminer, on va mettre des pau avec des pam ensemble.
pour que nous fait manger blaï sur tout territoire pays d'Haïti. Là ça tout le monde va dire son miracle, mais c'est pas un miracle. C'est juste que c'est les idées qui mènent le monde. Et voilà, compatriotes haïtiens frères sœurs, nous sommes dans bon petit marmite projet plan et que les compatriotes haïtiens lui-même li gagné pour y lever ce figu pays, relancer production et nationale tout ça pour retirer Haïti en bas dépendance l'autre pays, que ce soit États-Unis, pays voisins, nous tout l'autre pays qui prend Haïti pour derrière la caillou pour vivre vomi sous marché haïtien, tout ça yo pas consommer la caillou, yo pas bay peuple yo consommer, etc. C'est là pour yo vinn tester, pour reprendre vinn tester yo sous nous comme cobaye et tout ça. Moi même projet ça, moi son projet et qui gagne tout potentiel li, qui gagne tout potentiel li, développer chaque commune, développer chaque département, c'est faisable. Nous besoin moun qui conscient, nous besoin malgré tout, malgré l'état pas décidé et mettre campion politique publique en agriculture pour accompagner paysan nous yo, mais compatriotes haïtiens frères sœurs, si nous voulons, si nous gain volonté a, si nous fait bataille là, franchement chaque département, chaque commune ka autonome et nous ka fait plus que ça toujours. Donc li te important pour nous tendre, li te important pour nous comprendre que haïtien k'ap pense, que haïtien k'ap réfléchir, que des projets si vraiment yo matérialisé, yo ka offri non seulement à pays yo l'autre image à travers reste monde là, mais la offri tout de grandes opportunités avec un paquet de jeunes femmes, jeunes garçons dans pays là qui pas fait rien mais qui gen boutè yo, qui kite te à la terre, qui pas réglan rien mais qui te ka. Si vous avez joint accompagnement, si vous avez joint moun k'ap bay ou bourade qui t'est ka réalisé gros bagay. Bien, compatriotes haïtiens frères sœurs, hier fait PNH 29 ans. 29 ans, c'est pas 29 jours, c'est pas 29 mois et c'est qui bilan? Et qui bilan qui ça réglé, qui ça fait? Mais nous ouais déjà la police française LB, ba konnen ça k'ap passé dans tête li et LB de quoi net. LB gè les presse que l'a quitté poste très bien très bientôt. Vous comprenez? Elle bégaye les présents en démission cap cuite. Elle bégaye quoi? Compatriotes haïtiens frères sœurs, elle bégaye un gros bif à Léon Charles. C'est point qu'a voué. Moun sa yo tan kou. Bon. Ça me dabra di, on pap di li, mais tan kou sa yo yé. Nous, de qui ça m'a parlé. Et elle bégaye fon dernière déclaration. Si elle bégaye son moun qui te responsable, yé m'rete kwe, ça parap jam souk nan bouchi. Parce que plus que 30 mois dans cette institution la police, c'est grave. On nous a regardé, attendez, ensemble avec moi, intervention de la police, France LB. Tout le monde dans le pays, il y a beaucoup de monde qui vivent l'autre bout de l'eau. Frères, sœurs, collègues policiers, nous, 12 juin 1995, 12 juin 2024, ça fait exactement 29 ans depuis que la police a créé et déployé dans tout le pays. Pour protéger et servir la population. Pendant période ça, nous policiers, nous vivons pire bel moment. Quel content. Pour ça tout, nous vivons des moments difficiles. Côté que nous avons déchiré. Tant coup, 9 juin 2024, dans Delma 18, côté trois policiers mourus dans une embuscade. Une autre fois encore, tout policier en l'institution m'a connu voir nous pour nous présenter sympathie à la famille, amis et collègues de travail policiers. Fermitus Emelin Auxilien, Piton Wilkins Jean Junior, Clovis Peterson. Nous couvrons bien bas pour nous saluer mémoire. Vaillant policier Sario qui mourit dans sa vie à protéger la population, dans sa vie pays. Nous ne pouvons jamais faiblir devant la responsabilité que nous gagnons pour nous protéger la population. Nous sommes jamais dans la bataille nous mener pour la paix, la sécurité et la tranquillité dans le pays. J'ai un moment loi pays à Mandel. J'ai un règlement institution police à Mandel. 9 juin, pape 12 mars. 9 juin, pape 12 mars. La police a une réponse institutionnelle.
Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, faut camper là. Parce que ce n'est pas sans raison, ce n'est pas de manière anodine que LB l'y répète deux fois. 9 juin, pape 12 mars, 9 juin, pape 12 mars. Si nous t'apprenons un petit temps pour nous répondre déjà à la police, c'est parce que gale LB mange blié ou bien pas connaît. Si c'est ça aurait les sentiments, j'en grand moun yo kon dil, ti proverbe créole la dil. Vous comprenez? Yo kon di moun yo cochon mange sentiments nan pou banan. Vous comprenez? Caractère a ront la, nèg yo pran, yo passe le tête yo. Vous comprenez? Yo pran ront la. Yo pran karakter, yo pran dignité, yo pran monité, depuis yo rentre dans job l'état, yo fouron tout, yo enterrel. Pour LB camper dans figinou, pour le 10 pays 9 juin, pas 12 mars. Nous ka comprendre li nan tak o tak li, li comprendre li nan duel, li nan bif li a Léon Charles, mais question vin di 9 juin, pas 12 mars. Déjà la police française belge plus que 30 mois dans tête pays a. En sérieux. Combien si nous faisons un bilan, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, combien 12 mars qui pour gagner depuis l'Elbe Montea pour payer à connait que 9 juin, pas 12 mars? Combien de policiers ont assassiné? Combien de policiers qui prennent en embuscade, qui demandent renfort, pas jamais arrivé à joindre? Combien de commissariats sous commissariat pour bandits attaquer, pour bandits craser, pour bandits bouler, rapiéter, pour nous connaître 9 juin, pas 12 mars? Combien fois pour policiers mourir dans embuscade bandit, yo a demandé pour au commandement la police envoyer renfort, pour au commandement la police intervenu. Si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Combien cadavres policiers chien manger, cochon manger, famille pas même ka joine corps pour enterrer yo. Mais je n'ai rien cherche. Pour elle ben camper dans occasion 29e année création la police. Pour le camper ces sacs sur nos bouches 9 juin pas 12 mars. Depuis 9 juin, famille policière a demandé bail au corps petit, bail au cadavre petit, bail à joindre. 9 juin pas 12 mars. Policier ça yo qui tombé. Nous pas oublier yo. Policier Udmo ça yo qui tombé dans Savien, dans la Tibonite. Yo pas fait rien ni pour récupérer corps cadavre policier yo. Yo pas fait rien pour yo remettre campé commissariat la Tibonite là pour l'opérationnel pour la bay population service et puis ou campé là dans Figimoun 9 juin pas 12 mars. Ouais mon cher bien on nous continue parce que nèg ça franchement si Garikoni li pensait li pral kembel mais pour l'autre mois encore nous tout dire ça. N'a tout dit PM dans ça chirel pas coude. Parce que pas aucun moun qui pral vin accepter nan boule figi nou la, ou comprenn? Pour elle be continue à descendre console, pour elle be continue à voyer matière et puis pour elle be même ramasser le bagage ramasser ça la voye. Parce que là non, ça est dernier goût de l'eau pour chavirer vers 9 juin pas 12 mars. Non. On va se. Ça ça. Et non rester là. Et descend trop franchement. Nous avons une pensée spéciale pour les policiers qui ont été blessés dans ça. Dans deux ans passés, nous, dans la police, là, nous faisons une étude sur la sécurité pays. Nous remarquons que la situation de sécurité pays a changé net. L'étude, ça, nous fait un changer. Situation change net. Jodia, bandits ont utilisé gros armes pour terroriser la population. Ils ont utilisé pratique de l'IA. Après étude ça, le commandement entamé processus transformation de la police. Là. Côté que nous adoptons un ensemble de mesures pour renforcer la police. Là. Tant que bonjour, formation pour les policiers. Nous achetons équipement, examen pour eux. Nous augmentons l'effectif unité spécialisée. Nous créons unité tactique anti-gang que nous tous relayons UTAG. Nous créons unité de drone. Nous mettons en place bureau 20
permanent dans l'inspection générale. Nous assainissons l'administration de la police à tout. Nous faisons application stricte, règlement, passation de marché. Contrat, pas mal n'importe qui dans la police. Nous faisons retour plusieurs milliers de chèques dans le ministère des Finances, qui totalisait plus que 700 millions de gouttes. Nous annulons plusieurs milliers de cartes de débit BNC qui baillent presque 200 millions de gouttes. Ça a aidé nous jouer un moyen pour nous prendre des mesures pour nous améliorer les conditions de travail des policiers. Tant pour augmentation de salaire, augmentation de primes de risque à 3 reprises. Les manifestations, oui. Grâce à propositions, recommandements à gouvernement, gouvernement prend un décret 1er juillet 2022 qui instituait une indemnité spéciale de risque au bénéfice des policiers engagés dans des opérations spéciales. Encore, sous proposition au commandement, le gouvernement prend un arrêté 23 avril 2024 pour modifier statut spécial et plan de carrière pour l'ISLA. Décret à arrêté ça permet de créer la grande famille policière qui unit à jamais. Mariage policier actif à policiers retraités. À travers l'initiative SAI, PNH a engagé le processus d'adaptation à la transformation institution pour répondre mieux à gros menaces dans la sécurité pays. Pour une police plus professionnelle, robuste, une institution républicaine plus efficace. N'a profité pour nous remercier le gouvernement haïtien, toute agence pays sale, tant que États-Unis, la France, Canada, Mexique, Brésil, Taïwan, Corée du Sud, bienvenue à tout l'autre pays qui a aidé nous le processus de transformation de la police. N'a pas encouragé l'État haïtien pour continuer à équiper la police là. Bah, la police a bon moyen pour capable renforcer capacité institution pour qu'elle réponde mieux à obligation que le gagne. N'a dit merci à tous frères et sœurs kenyans, à tout l'autre pays qui décidait de venir aider la police nationale là, la lutte la mener contre gang armé pour permettre la paix et la sécurité de retourner dans le pays. La petite population, un gros merci. Merci pour le support. Merci pour le support de la police. Sans nous, la police n'a pas fait rien. La police a créé pour le défendre, nous, pour le protéger. Nous. C'est pour ça que la population continue à supporter la police. Là. Bah, j'arrête plus pour nous gagner nos forces police. Auguste. Frères, sœurs, policiers, nous. Ma brave, nous, nous sommes derniers remparts dans le pays. Événement février, pour arriver avril, ils ont montré nous ça. Nous faisons 2 mois sans dormir. Risquons de nous chaque jour dans la rue pour empêcher que le pays tombe plat à terre. Pour nous permettre l'activité. Ils ont commencé à reprendre pas à pas. Pour le pays, ils ont l'autre chance pour nous rêver dans la vie mieux. Nous sommes fiers de tête, nous. Nous devons rester bien et continuer à lutter pour que la sécurité et la paix dans le respect de la loi pays. Éviter manipulation. Rester unis dans la grande famille pour l'islam. Dans l'occasion ça, occasion 29e anniversaire de la police là,
N'a réfléchi et honoré mémoire tout policier qui tombait. Et bataille pour joindre justice. N'a pas honoré sacrifice et dévouement pour nous protéger et servir la population du bien. Pour nous finir, nous puiser force et courage, sacrifice policier nous, pour nous dire bonne fête à tous les policiers nous, famille policier nous, amis et partenaires de la police là. Bonne fête à Peuple Haïtien. Vive Police Nationale d'Haïti. Vive Haïti. Voilà, compatriotes haïtiens, frères et nous attendons et nous gardons. Bon, moi-même, c'est Jérôme, je me garde LB parce que vraiment, chaque fois que je garde LB, je me sens un coup de colère. Je tellement senti m'énerver, me remonter. Parce que c'est comme si. Nous qu'on a parlé moun ki sadique, nous qu'on a dit oh Ariel sadique et l'autre qui passait avant Ariel yo sadique etc. mais non. Elle met pas seulement montre li sadique non. Elle met montre tout ça qui a passé comme dérive. Toutes les capacités yo montre que la police pas capable, la police pas capable goumé ak bandi, bandi yo ceci, bandi yo gen plus zam, bandi yo plus ek. Tout bagay sa yo LB comme si li campé derrière l'assumé yo. Nous gon déjà la police qui pas chercher faire effort pour restructurer, qui pas chercher faire effort, qui pas bataille pour remettre campé institution, qui seulement campé croisé bras a regarder déclin échec. A regarder policier qui tombe, a regarder policier qui mouri et puis a fait jouer ti moun. Vous comprenez? A fait bif avec Léon Charles, fait macaque, rancé toute journée, et puis moun a mouri. Moun pa ka circuler. Bandi a met moun deyo. Bandi a violé moun. Bandi a tué moun. Bandi a kidnappé moun nan boule figi yo. Tout moun sa yo nou te wè ki kampe nan douel BA, ki fait partie de ro. Ro commandement la police. Hein? Sa de série de moun. Pou nta bien marqué figi yo. Sa de série de moun pou nta bien identifié yo parce que. Bonjour, n'a pas mandé au compte. Même Jean, ancien DG la police, Léon Charles, la justice, journée aujourd'hui, a mandé le compte. Comment le fait inculpé dans l'assassinat Jovenel Moïse? T'es doué gen suivi qui fait tout policier qui tombe, toute famille policier qui parvient récupérer cadavre. Nous te doué monter association victime, association famille victime, parents victime, al pote plein contre vagabond sa yo. Parce que le yon quitte cette institution la police, Haïti pas karete comme ça tout le temps. Pays yon pas karete en dégraba tout le temps. Pays yon pas karete dans situation difficile ça tout le temps. On joue la jou, on joue dans la justice. On joue dans un pays qui gen justice. On joue dans un pays côté la justice équitable. On joue dans un justice côté effectivement son justice j'ai bandelier. Li pap kon grenèg, li pap kon malere. Li pap konne gros zouzoun, li pap konne petite soyette lan, ap gen justice pour tout moun. Et le sa, comme nous te pote plainte kont yo, la justice a va servir kont yo même. Comme si pour tout vagabond sa yo qui passe dans tête la police, hein? Yo descend shot yo, yo gen Gilbret yo. Et puis le yo pral kite fonction, yo allé avec le sentiment du devoir accompli. Devoir accompli, c'est complot pour nèg écraser institution, vous comprenez? C'est ça que sentiment du devoir accompli. Compatriotes haïtiens frères chèm, causé yo en pile. N'avancé pas gè campé. Et hier, c'était installation premier ministre Gary Conille. Gary Conille pendant installation là, c'est comme si c'est Ronald Tapgay. Et oui, c'est Ronald Tapgay. Gen 5 points fondamentaux. Nan discours Gary Conille, compatriote haïtien frèchèm, qui est extrêmement important pour nous retourner sous yo. Puisque premier ministre Gary Conille li utilise pouvoir gagner comme nouveau chef CSPN pour le voyer en pinga bay gang yo, pour le voyer en pinga bay tout moun ki nan relation ak bandi yo. Mais PM nan bliye pou te gade à droite et à gauche devant et derrière. Qui est dans la classe politique la journée aujourd'hui, qui n'a pas de connivence, qui n'a pas de cocorde avec gang, avec bandit, ça y est. Et même dans le secteur privé, même dans la communauté occidentale, là, comprenez, les gens qui ont une relation proximité, qui close avec bandit.
5 bagailles fondamentales que Premier ministre Garry Conille li mette accent sou yo nan occasion l'étape fait discours d'installation là. Et une fois que Garry Conille li installé, eh bien li commencé lui-même installer l'autre ministre, c'est le cahier installation ministre justice Maître Carlos Hercule li fait. Nous pas connait s'il arrivé descendre dans ministère. Bon, son question, son problématique oui mon yo. Tout ministre yo qui pral installer a, côté on pral faire cabinet. Côté on pral faire cabinet yo compatriote haïtien français. Parce que palais national conseiller président yo pas descendre. Yo rete dans villa d'accueil. Bon villa d'accueil c'est là pour Garry Conille. Pour le tailler semble PM nan li obligé à le faire dans hôtel. Donc on y a un ministère côté yo pral. Côté yo pral les compatriotes haïtiens français parce que ministère yo tout yo concentré dans quai Port-au-Prince. On y a est-ce que nous pral payer chambre hôtel pour mettre cabinet ministériel ça yo? Bon. Bon, n'a vu sous ça tout. On nous font passer dans 5 points fondamentaux que Premier ministre Garry Conille lui-même l'était posé. Nan moment installation li. Brièvement, nous pral passer sou yo 1 2 3 4 5 et puis pour nous rentrer dans un dossier extrêmement important puisque nous gagnons Jerry Tardieu lui-même qui frappé et gagne gros intervention qui fait pour haïtien qui vivent dans diaspora yo. Li évident que nous pral content et en nous font passer sous intervention Premier ministre Garry Conille en allé. Patriote haïtien moi yo. Nous ne pouvons pas cacher la maladie pays. La maladie nous. Il faut que nous reconnaissions qu'il n'y a pas de bien même. Nous faisons, et nous faisons, nous faisons que nous cherchions un remède pour lui. Dans l'état lié, il faut que nous cherchions plus bon médecin feuille et plus bon médecin moderne pour nous sauver. Mais bonne connaissance, ça ne suffit pas. Faut que nous bon tout dans volonté nous et faut que nous bon tout dans honnêteté nous. C'est vrai depuis le créé pays a toujours un bouleversement politique. T'es toujours un pif fort monde dans population, yo t'ai mis dehors même le yo dans pays a. Groupe monde qui pi a souffri généralement c'est paysan yo. Toujours un problème social. Mais je ne j'en dis, après plus passé 200 ans, société nous a gagné net. Nous ne pouvons pas vivre dans la paix. Nous ne pouvons pas circuler libre. Si nous ne pouvons pas à l'école, machin, ne pouvons pas vendre des produits pour prendre soin de la famille. Bandit, a marché tout le monde, l'un ou l'autre, j'en ou l'autre. Ça fait moun pas qu'à vivre dans le pays. Seul l'espoir jeune nous, c'est quitter le pays pour partir. Même là, on est l'autre bord pas douce. Pays étranger pas paradis. Yo di ou, y a qu'à jeune travail et puis vivre tranquille. Qu'on sa petite yo a bien plus chance pour monter dans l'échelle sociale là. Moi comprendre et moi entendre. C'est pour ça que je suis là avec nous aujourd'hui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassement, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte.
celle d'un homme d'État serein et sensible, vaut au service d'autrui à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sape les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. On fait un petit campé là, compatriote haïtien Frechem, parce qu'il est extrêmement important. Et parce que vous connaissez, nous avons fait une zone à Kalalou, j'ai dit que vous dit. Et Premier ministre Gary Kony, il met accent sous contrat collectif que le Conseil présidentiel transition a gagné avec le gouvernement liant. Travail qu'a fait là Gary Kony pas seulement ouais tête li comme premier ministre qui gagne en responsabilité mener action gouvernementale là non qui gagne responsabilité contrôler zak gouvernement li a fait ministre et secrétaire d'état etc. non moun qui constitue gouvernement li non li ouais responsabilité li gagne jodi en son responsabilité commune qui partage entre gouvernement avec Conseil présidentiel transition. A yo deux, yo formé exécutif là qui pral gagner pour délivrer aux marchandises. Et c'est ça que fait toujours souligner. Journée jodi en peut-être notre tête conseiller président probablement qui dit tête sur bon OK et premier 5 mois c'est Edgar Leblanc fils qu'a fait si pendant 5 mois ça Gary Kony avec équipe li pas arrivé délivrer marchandises. Et c'est peut-être Edgar Leblanc fils comme conseiller président titulaire qui pas arrivé faire ouage fonctionner, comprendre faire machine bien marcher pour que le gouvernement délivre ça le pote dans Jacoutli. On réflexion comme ça, c'est ta réflexion qui t'a plus banal parce que si Edgar Leblanc fils t'a passé 5 mois Gary Kony a équipe li là, yo pas arrivé délivrer quoi que ce soit. C'est pas échec Edgar Leblanc fils puisque déjà Gary Kony li comprend son contrat collectif son bataille que a mené main en main za fait pourtant des conseiller x y z Abdou Sali même c'est 5 mois Edgar Leblanc fils il pral vini après ça Edgar Leblanc fils te fait par engager yo tout ça c'est bobine fil parce que là son contrat collectif. Là, c'est des décisions communes qu'a prend dans intérêt entre guillemets pays. Donc que monsieur dame yo assume responsabilité, yo ça qu'a mettre pantalon dans taille yo,
mesdames, vous avez mis la ceinture bien serré. Pour yon konnen là, c'est pas moment corruption, c'est pas moment tis ami, c'est pas moment acolyte, mais c'est moment décisif là. Vous comprenez? Pour yon arriver délivrer marchandise et ben résultat. Donc, pour premier ministre Garry Conille, son contrat collectif, son bataille dans tête collée et il comprend réalité moment. Gen 5 bagay ki primordial ke Garry Conille ak ekip li et ak tout conseil présidentiel transition. Yo même dans le départ, yo te mette accent sou li. Rétablissement de la sécurité. Chantier numéro 1, c'est rive rétablir sécurité en dedans pays. Deuxième position, c'est continuer avec démarche pour dialogue inclusif là qui pral aboutir à une conférence nationale. Conférence nationale là compatriotes haïtiens frères sœurs, c'est dans optique dans l'idée pour rassembler tout petit pays. Rassembler tout petit pays et m'pas quoi oublier, m'té poté intervention professeur Eslom Remo qui t'a dit nous depuis après indépendance nous à peine si t'es gagné 3 ou 4 conférences congrès national qui t'es fait. Et le fait que nous pas de jambes rivées après indépendance pays d'Haïti, font congrès national, poser base pour nous connaître qui l'État nous voulait, qui forme l'État nous voulait, et comment nous voulait bâtir société nous, etc. Nous vîn tant qu'on paquet moun, et comme te kati sa, on paquet moun fou, si nous permettons de dire comme ça. Chaque moun n'a pas par yo, a cherché faire affaire par yo, chaque moun a cherché poser base par yo, nous remarquons. 220 ans après indépendance nous acteurs politiques nous gen là yo puisque pas bon base pas bon ligne directrice qui t'est tracé yo pas jamais ka appliquer réellement la continuité de l'État. Donc si à travers transition ça à travers démarche que docteur Garry Conille a gagné pour le faire conseil présidentiel yo t'arrive font conférence nationale pour nous poser base yo et qui a extrêmement important parce que troisième chantier qui se prend le chantier élection pour yo faire référendum changer constitution li a important pour chaque grand haïtien pour moun qui conscient pour yo dire mais qui modèle l'état vle mais qui forme l'état vle mais qui ça me ta reme etc. pour yo rivé en tant yo qui ça yo pral délivrer au final dans nouvelle constitution y a bien pour yo doter pays pour yo rivé faire élection. Là nous gèt parti sous 3 et sous 3 grands axes, sous 3 bagages qui prioritaires qui censé et ta loué fait pendant période transition et surtout pendant équipe premier ministre Garry Conille lui-même li dans primature là. Quatrième point qui est extrêmement important, c'est relancer économie paysan. Relancer économie paysan. Est-ce que en 2 ans, n'a pas arrivé à faire relance économique là? Point d'interrogation. Ça, on a besoin de spécialistes en économie. Vous comprenez? Des spécialistes dans la question financière yo, pour yo faire études et terrain, études marché, pour yo dire est-ce que le possible ou pas. Moi-même, je ne dis pas est-ce que le possible ou bien est-ce que le pas possible. Mais nous, on est là, Haïti a été plate économiquement parlant. Et dernier grand axe compatriote haïtien frères sœurs, c'est l'insécurité alimentaire et sanitaire. Plus de 4.3 millions haïtiens dans grand goût dans extrême pauvreté. Question sanitaire la bagarre là était déjà difficile. Depuis fin février jusqu'à là compatriote haïtien frères sœurs, l'hôpital crasé, l'hôpital en Haïti, même au centre de santé pour aller sous grand tête fait mal, sous grand dent fait mal son luxe lié. Donc Balzaro faut que poser. Là nous gettons ouais ces grands actions, ces grands chantiers yo. Mais qu'on y a question moi-même t'a posé ou même qui a suivi, ou même qui a regardé, ou même qui comprend que moment son moment urgent lié pour quelque bagaille régler résoudre rapidement. Nos 5 bagages ça yo qui ça selon ou même qui t'a doué priorité. C'est pas que tout pas gain place yo, tout gain place yo. Relancer économie pays et rétablir faire conférence nationale et question élection, rétablir sécurité en dedans pays, dialogue inclusif et redresser question insécurité alimentaire, problème grand goût, problème chômage, tout important. Mais qui ça d'après ou même qui t'a doué prioritaire dans moment n'a pas lié qui ça t'a doué moyen avant.
C'est question pour. On nous font continuer pour nous tendre et quelques petits détails encore que le premier ministre Garry Conille lui-même l'étape en allée. Ce paradigme du changement irrigue toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. Je disais donc la sécurité d'abord, mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là. Pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation, nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprenons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Voilà. Nous campons là parce que le Premier ministre Garry Conille a un paquet de bagages qui parle, un paquet de promesses qui fait et des engagements que le dit le prend. Mais il est extrêmement important pour le gouvernement qu'on ait gagné urgence. Et par rapport avec urgence, c'est qui ça qui t'a doué priorité. Il a annoncé dans le gouvernement, c'est tolérance zéro. Zéro pour question corruption. De pour nos corruptions, de pour nos volets, de pour nos fourrés, maintenant qu'est-ce l'État. Et là, yo gèl est pas douce, non, yo ka pas douce. Mais nous pas seulement voulons rester dans la parole, nous voulons de la parole aux actes. C'est action nous voulons. C'est action nous voulons qui pose. Si c'est pour parler, tout le monde connaît dans ce moment-là, et parole là pas petit là parole là pas servir à quoi que ce soit. On ka toujours voye pinga, oui, on ka toujours voye pinga bay bandi, on ka toujours voye pinga bay bandi ak vesyo, etc. Mais c'est action. Tout le monde qui rentre dans l'état dans moment, tout le monde qui vient prendre poste, tout le monde qui était dans ligne à la filine général que le capitaine pour non yo sorti pour remporter la mayol, yo connaît son situation difficile. Nous pas venir prendre plein dans mes personnes moun. Nous pas vinn tande aucun talk dans mes personnes moun. Nous laisser action qui pose. Et pas pression n'a mettre sur aucun dirigeant, aucun ministre. Pas aucun moun, d'ailleurs tout petit moun pas rentrer dans gendarme, pas aucun moun qui a vinn dit yo t'est rentré là, pas connait dans qui ça yo t'a rentré. Pas aucun moun qui t'a vinn dit yo vinn prendre job là, yo pas connait. Son épée Damoclès qui prend Dieu sous tête yo. Donc son excellence Premier ministre Dr Garry Conille, nous tendons, vous parlez, nous tendons. Mais, kounye a nous besoin pour action commencer à poser. En termes de sécurité, est-ce que nous continuons à tendre Kenya ou bien est-ce que nous mettons les pieds nous à terre? Qui ça qui prend comme disposition pour l'armée d'Haïti? Qui ça qui prend comme disposition, compatriotes haïtiens frères et pour nous gagner une force l'armée qui est opérationnelle, qui a bataille côte à côte avec la police nationale d'Haïti? Nous tous focaliser nous sur Kenya. Et si Kenya pas venu? Et si Kenya prend 6 mois? Et si Kenya prend 1 an? N'a fin mouri? N'a livré pays à bay bandinet? Et par rapport avec problématique ça yo compatriotes haïtiens frères chum, nous gagné et Jerry Tardieu qui lui-même et li intervenu et pour le bail position pâle par rapport avec le conseil présidentiel, l'installation Garry Conille, et il fait des annonces, il vient avec des propositions sous table pour la communauté haïtienne qui vit dans la diaspora et comment
nouveau gouvernement t'a supposé prendre en considération. On nous a attendu ensemble avec intervention et Jerry Tortue. On a vécu un moment qui inédit et dans l'histoire de pays, c'est pas parce que collégial présidentiel qui jodi a occupé la fonction de présidence et que le premier ministre a dirigé un cabinet ministériel, mais simplement parce que formule gouvernance là prévoit un cabinet ministériel qui représentait plusieurs regroupements politiques. Donc, on est capable de dire que pour voir transition ça, fragilité, c'est force. La fragilité, c'est que son ensemble parti politique qui désigne ensemble personnalité et qui pourrait l'obliger à élever au-dessus des partis. Qui pourrait l'obliger à diriger PIA sans pas diriger PIA pour chapelle politique. Pa yo. Donc, son gros fragilité, c'est là, c'est dans Kafou, ça n'a pas. Et c'est pour ça qu'en avant, inscrit nos positions, nos postures de vigilance. Nous sommes très, très veillatifs pour nous assurer nous que nous faisons le travail que nous faire pour l'État, pour le pays et pas pour la chapelle politique. C'est fort surtout parce que, comme il y a plusieurs partis politiques, ça veut dire qu'il y a une formule qui est inclusive. Dit son discussion, son bas de bouche, tout moyen qui permet à un ensemble de monde qui parle de bagailles, entendre pour nous faire une formule. Ça. Donc, nous sommes capables de dire. N'a pas le juger sous acte. Je prends acte et je vais juger sur les actes. C'est ça, moi, je m'a dit dans nos partis politiques en avant. Pendant que nous pas bail chèque en blanc, mais n'a dit que dans le moment, dans le carrefour que nous vivons là, nous pas chercher petite assemblée papa, nous chercher heureuse couche, en nous garder pour nous voir si conseil présidentiel là, avec le gouvernement, ça a capable harmoniser l'action. Parce que un défi que nous avons là, tout, c'est que nous ne pas marcher sous pied l'autre, et puis pour venir créer un cadre plus haut niveau de l'État. Avant, est-ce que à un certain moment, l'État n'a yon nan groupe SAO qui je dis a très impliqué pour accoucher et modèle transitionnel là, soit soutenant collectif de Javier, soutenant Montana, etc. Non, parti politique en avant, pendant toute année 2023 et début année 2024, est présent sous table discussion. Parce que nous-mêmes, nous toujours dit que depuis c'est de Haïti n'a parlé, n'a sous table là, et nous avons toujours appuyé en formule côté son consensus politique, et nous avons toujours dit solution crise haïtienne, c'est son table de négociation que nous avons besoin. Donc nous n'avons pas parlé comme ça, et nous pas sous table là. Nous c'est le premier parti politique qui, dans l'espace ça, a demandé un sommet politique. Après ça, CARICOM va venir prendre ma tête là, et nous pensons que discussion va venir par formule ça. Seulement après appeler tout le monde, Johnny Ferdinand. Que formule conseil présidentiel que nous t'ai proposé en 2023, c'est une formule qui te prend en considération un problème politique qui c'est que Ariel Henry comme premier ministre t'a kidnappé tout pouvoir et il pas t'inspiré confiance. Nous même nous t'ai dit que faut un exécutif équilibré, ça veut dire faut nous chercher un conseil présidentiel qui pour balancer pouvoir Ariel Henry de telle sorte que dans le fond cabinet gouvernemental de salut public et pour nous mais non, élection qui n'est pas contestée. Parce que soit gérer pour une transition ou pas gérer, ou même avec tes amis, ou gérer pour parti politique. Former tes politiques en confiance. Malheureusement, j'en passe à pour Ariel Henry dans le début de l'année. Nous kembons ça. Donc, défiorité, même Jean, c'est assurez-nous que le conseil présidentiel là respecte vocation, vœu esprit article 136 là, qui balle garantie. Qui bat garant des institutions et de la Constitution, et qui bat gouvernement, ça m'a capable de dire gouvernance pays, gestion pays. Et c'est dans ce sens ça que nous-mêmes, nous comprenons la formule qu'il a, et nous avons espéré, nous avons souhaité que l'autorité qu'il a comprenne, je vous ai dit tout à l'heure, que nous n'avons pas grand temps et nous gagnons des objectifs bien spécifiques. Objectifs ça, au fond, c'est un sondage dans l'arrière là. Ou après tout haïtien là on bade entendu sur trois bagages yo entendu que nous besoin sécurité pour nous vivre dans la paix yo entendu que fon font réforme constitutionnelle parce que fon bay maman loi pays on j'arrête fon un coup de WD-40 qui passé dans constitution et puis troisièmement il fait dit non fon dans l'élection et c'est l'élection qui pour bande des autorités légitimes qui eux même pour faire les grandes réformes que pays a prendre qui est capable chavirer chaudia Jean l'autre l'a dit qui est capable porter rupture là changement que nous tout haïtien a prendre. Madame de Bontabla, est-ce qu'à un certain moment, en avant, pas tant dedans, collectif 3 de janvier,
Ça, c'est peut-être un volet, la question m'a posé, oh là là, jamais. Et deuxième volet, jamais. Okay. Mm-hmm. Deuxième volet, est-ce que pendant tout processus pour te mettre le gouvernement en campé, ou même avec l'équipe au niveau de en avant, ça va t'intéresser, nous peut-être tenter nous pour ne pas en coup de main, ou bien vous t'es approché nous tout carrément, et ça va arriver. Oui, et nous choisissons délibérément de faire partie du conseil présidentiel. Nous n'avons aucun problème. Donc, à parti politique qui assume responsabilité, nous pouvons entrer là-dedans. Seulement, nous-mêmes, nous devons être cohérents avec la position que nous avons toujours gagné, si tout pendant l'année 2023. Nous avons toujours dit nous tapons aux politiques qui ont été dehors, de telle sorte que nous-mêmes, c'est chauffé, mettez botte dans le pays, à le faire campagne pour préparer l'élection. Exactement. Donc, en quelque part, c'est pour ça que nous avons été dehors, le conseil présidentiel là, mais pendant que nous avons été dehors, nous avons été très prêts. Donc, nous avons tout ça qu'a fait, nous avons tout ça qu'a fait, nous posons des questions et, en quelque part, nous pavler tout, en quelque part, pour nous accabler les partis politiques qui font choix à aller tout non, parce que nous avons un moment exceptionnel. Donc, ça veut dire que comme nous-mêmes, nous tombons dans pas comprendre, nous tombons dans le tchouboum, et le pays d'Haïti besoin de tout petit pli, mettre mais ensemble pour nous capables d'essayer de retirer dans le cadre de côté de retrouver là. Donc, nous-mêmes, nous souhaitons partis politiques, ça comprend l'importance, priorité, objectif neutre, et c'est pour ça que, par exemple, on parle de collectif 30 janvier. Collectif 30 janvier, il y a 8 partis politiques là-dedans. Il y a PHTK, OPL, UNIR, et MOPOD, GRE, et Petite Dessaline, et autant que moi, appelez-moi, contre-APEP avec UNIR. Mm-hmm. Donc, c'est 8 partis politiques ça que tu es formé 30 janvier. Ceci dit, Johnny Ferdinand, question pour partis politiques mettre tête ensemble pour défendre leur programme, leur position, sont bons bagailles. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais un appel matin. Comme nous-mêmes nous disons que c'est l'élection qui est importante, c'est finalité gouvernement, ça qui est la mission, hein? C'est qu'en quelque part, tout, je crois que je dis, il faut que toute force organisée dans le pays, organisation sociale, organisation jeune, organisation paysan, organisation diaspora, commencez à parler yon avec toi. Commencez à penser à l'élection. Commencez à penser à moun qui ont la même idéologie, même vision avec eux, de telle sorte que nous sommes capables d'organiser nous pour que dans l'élection, ou bien trois ou quatre grands courants politiques qui apportent l'idée et une vision pour séparer 50 partis, 75 partis, pour Haïtien pour choisir qui est cap sénateur, qui est cap député, qui est cap président, qui est cap magistrat. Donc nous encourageons ça, parce que malheureusement, ça nous remarque dans le pays d'Haïti. C'est que nous ne pas parler l'une avec l'autre encore. Nous ne pas construire ensemble et n'oublier que la démocratie que nous avons construite est basée sur l'élection, donc sur parti politique. Donc c'est depuis qu'on y a que l'organisation de la société civile a parlé à parti politique pour écouter. Et puis pour être capable de garder plus devant dans l'élection, qui est-ce qui a la carte rouge, qui est-ce qui a la responsabilité, je vais payer. Hier, je suis arrivé dans la ville d'accueil là, et déjà, je suis ben moins et Jerry Tardieu, et dans l'espace là, qui devine quand même assister à la cérémonie d'installation. Est-ce que c'est ton invitation ou c'est ton choix personnel? Non. Non, nous recevons plusieurs invitations et nous te présentons avec plaisir parce que. Et nous bien avec un pile monde dans conseil, nous recevons au moins 4 invitations de 9 membres dans conseil là. Donc nous t'es tenu à présent et nous connaissons plusieurs ministres qui là yo et qui t'es en vie et que nous marquer joie de présence nous tout de telle sorte que nous capable bail gouvernement ça au moins n'ta capable dire le crédit que l'existe et que même là nous pas blanc nous pas juger sous acte. Mais bon retourner sous cérémonie et ça moi. Matin, je t'attends avec attention. Ou touche un point qui est sensible pour moi en pile. C'est question comment nous gérer l'État dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que le protocole là est absent complètement. Il n'est pas capable de dire, mais si c'était moi, c'est une forme de corporatisation du protocole là. Ça veut dire que l'autre une salle qui prend 100 personnes et qu'on invite 400 personnes, la bosse sort vivière. Et ce n'est pas un hasard s'il fait. C'est comme ça nous traiter l'État. Député Franck Clôture a raconté nous l'autre jour que l'a monté la valide Jacques Mel Lacaille. Et puis les route là tellement pas bon. Et Zanmi qui avait la dit mon cher route ça c'est à machine l'État pour nous faire. Elle dit machine l'État Elix Sambé. Elle est écrasé. C'est-à-dire que nous corporatiser l'État. L'État est pourtant majestueux. L'État fait pour l'irréprochable. Nous pas maîtriser code moderne communication. Là, nous avons gardé disposition ambassadeur qui pile sous pilier. Il n'y a pas qu'à faire image pays à bien, Johnny Ferdinand. Il n'y a pas qu'à faire pays à bien. Et nous avons souhaité que le gouvernement, ça, entre autres, même le commission
c'est organiser élection, c'est rétablir sécurité, c'est faire réforme constitutionnelle, mais il y a un ensemble de bagailles qui est facile. Fait l'état marché. Que fait l'état marché? Non, tous les jours, il fait l'état marché, pas un problème. Mm. Mais gagner un souci pour que restaurer l'autorité, c'est restaurer l'image de l'État, oui. Dans le ministère, dans le comportement ministre, ou tu as dit le matin, un guerrier du seul gonge. Oui, parce que pour montrer ses chefs, oui, c'est pas dans l'arrière pour klaxonner et puis paraître avec 10 000 nègres examen. Non, c'est gens fait bagaille avec sérieux, avec protocole républicain, avec respect pour l'institution qu'on va représenter. Et je pense que c'est une occasion pour nous dire gouvernement ça, pour la garder protocole dans différents ministères et surtout au plus haut niveau de l'État. D'abord, la primature, mais surtout le conseil présidentiel là. Parce que bon tâtonnement que nous avons là, et pendant le premier mois, il a fonctionné, qui n'a pas fait honneur à l'État, pendant que, messieurs et dames, qui ont servi l'État, nous connaissons qu'il y a un minimum de compréhension de qui sont l'État doué dans le pays moderne. Et Johnny, pour me dire, qui est-ce que tu as expliqué ça? Est-ce que c'est espace-là? Est-ce que tout c'est pas parce que il y a trop de monde, je dis trop de monde dans chaque conseiller, il y a une quantité d'invitations à le faire? Ouais, chaque nouveau ministre invitation le fait. Moi-même, m'a dit tête, moi, est-ce que ça n'a pas vivre là, ou que ça a passé là, nous ne pas le joindre ni dans l'administration publique là, avec monde qui peut intégrer l'administration publique. Bourré monde de vendeur. Pas ban et pas paquet. Yeah. Ouais, parce que là, chaque parti politique qui signe un accord là, et qu'elle veut faire qu'il y ait monde dans le ministère. Dans la direction générale, la secrétaire d'État. Non, pas risquer, même Jean Ouez. Ouais, vous évitez que tu fasses Villa d'accueil, là, elle fait l'administration publique là. L'administration publique là. Moi, je n'ai pas qu'à expliquer exactement qui s'est passé avec le résultat, ça y est. Mais celle-là, elle me connaît, elle n'a pas de dérivé. Et celle-là, elle me connaît, même si ça dit à son réalité, que gagne des ministres. Gagne même CP, gagne probablement, et je suis capable de jouer ensemble de l'autre monde qui pas trop loin, parce qu'on a un secteur qui participe pour formuler ça. Mais cependant, tout le monde, guerrier du seul, c'est pour le passer à travers un service protocole, à travers une administration centrale. L'État, c'est ça tout. L'État, faut fort. Et pour diriger l'État, faut faire avec un pile, je suis capable de fermeté. Ça veut dire faut bon monde qui est responsable. Pour une section responsable qui pour dire autorité yo. Non, nous gagnons 100 places, nous avons invité 75 moun, nous avons bien chita, l'autre moun nous avons fait l'autre bagaille. Ou bien, nous avons cherché l'autre côté nous faire. Parce que de toute façon, c'est l'image qui n'est pas bon. Donc, nous avons souhaité que nous prenions en considération ça nous dit, je ne vous dis pas, parce que ça a fait à l'esprit de réflexion, esprit de réflexion. Ça a dit à la aussi important que ça a dit dans le Conseil des ministres. Donc, nous avons souhaité que ça gagne tes oreilles, ça gagne tes oreilles, ça gagne comprendre, ça pas gagne comprendre. Tendez ça n'a dit là, parce que l'État ici, pays ça, que nous-mêmes nous aimons, même les l'autre bord de l'eau, il y a qu'à peut-être minimiser nous, mais nous-mêmes nous connaissons ça nouveau de par histoire nous. Nous connaissons ça nouveau de par potentiel nous. Nous connaissons ça nouveau de par ça nous fait comme porte-flambeau de la liberté universelle. Et nous connaissons ça Haïti, vous l'avez dit, dans un pile monde dans le monde, surtout en Afrique, côté nous sortis. Donc, en nous respectant dans cette nuit, respecter tout le monde qui apprécie, qui connaît, qui ça l'histoire d'Haïti et qui ça nous représente dans le monde. On a parlé de dirigeants, de secteurs qui quand même des présents au BTV. Il faut que nous soulignions Guerrier Mbarouti avec Ndavèg. Mbaroué, aucune figure connue de Mbondana, non? Hein? Ni dans la cérémonie de prestation de serment et d'installation comme CPO, ni dans la cérémonie d'investiture et d'installation connue comme Premier ministre. Ouais. Figure connue, ou les têtes syndiques, les Magali, Komodene. Même j'en ai pas, ouais. Moïse Jean-Charles. Oui, fois ça, avec Claude Joseph. Bah, quoi, oui, il y a un pire. Mais il va te lancer où, et prestation, c'est ma installation CPA, tout non? Oui, il va te lancer où. Donc, moi, je m'en tout que tu as un pile personnalité politique que peut-être nous t'as attendu. Oui, il va te lancer. Collectif 21 décembre, tu as ancien député Vikerson Gani. Il y a un peu sur le Jacet, tout. Oui, je me suis dit que j'ai fait pour 21 décembre. Et je n'ai pas trouvé aucun monde dans le raid, ni compromis, ni aidé. Et je n'ai pas trouvé aucun monde dans le petit de Salindo. Et le secteur privé, je n'ai pas trouvé le représenté. Et je me suis dit que Mondana, establishment Mondana, pas là. Et même famille Lavalas, pour que je me suis dit, je n'ai pas trouvé. Donc, on nous dit que acteur politique ou bien secteur, tu es choisi par venu, ou bien, pour nous dire tout, tu n'as pas de rentrer tout. Donc, parce que tu n'as pas l'ombre. Oui, seulement
sorti Pétionville en bas d'Elma, la ville. Ah. C'est ton problème extraordinaire. Ça a pris une heure et demie de temps. Dans machine impraticable. Impraticable. Mm. Ensuite, vous arrivez en dedans tout et vous réalisez que, même avec un pile de monde, ou pas qu'à entrer. Non, moi, qu'à entrer, ou pas qu'à chita. Donc, vous marquez présence, vous saluez le monde côté vin. Dis bonjour et vous allez. Donc, tout ça, vous êtes capable d'expliquer tout que vous ensemble de personnalités que nous avons attendu pour nous dire que nous avons fait. Ok, nous allons dans les paroles qui répétées pendant la cérémonie. Nous ne pouvons pas camper sur le discours de M. Edgar Leblanc fils là avec le discours du Premier ministre sortant. En plus, capitaliser nous sur le discours de Gary Gaudy. Est-ce qu'on entend tout? Du oui, début à la fin. Oui, un leader politique responsable doit attendre à un carrefour ça et un premier ministre qui pourrait aller en transition pour le dire. Parce que première responsabilité au premier ministre qui a géré en transition, c'est rendre acteur politique confortable. Parce que son terrain pour aménager pour une élection et qui est-ce qui prend l'élection, c'est parti politique. Donc, je t'attendais là avec un pile attention. Et réaction, c'est que je t'ai souhaité et que lui comprenne même, je ne sais pas, que par étant pile temps, et nous pas doué passer trop de temps dans une série de barrières qui ne pas dit que pas important non mais qui ca secondaire par rapport à la nécessité aujourd'hui pour rétablir sécurité, restaurer l'autorité de l'État, à la constitution, à l'organiser élection. Là nous tendez en pile barre que il dit nous on ti gens gien qu'à sauter parce que là nous dit nous juger gouvernement ça sous Zaki de qui Zaki n'a parlé. Qui ça le pral faire dans question sécurité? Comment le pral monter conseil sécurité a? Qui j'en pour l'organiser pour que force multinationale qui pourra le courir là, qui pourra le thème de comment force ça. Maintenant, comme cap dépenser, qui ça cap prêté pour nous structurer la main avec la police, il y a une façon pour pis devant nous pas besoin. Force l'autre Bordeaux vient aider nous. Nous connaissons que son force que mettez 600 millions de dollars budget pour lui chaque année, dans le moment où je parle à la puis Goubaïa qui c'est États-Unis, l'idée que c'est 200 millions de dollars, cap servi. Ou construit Bazala, gon 100 millions de dollars que Congrès a dominé par les Républicains, beaucoup décaissés. Après ça, il faut nous dire la France et le Canada, ba un petit cop, non, basket fond que les Nations Unies a occupé. Donc, nous avons un gros flou sur la question de sécurité. Comment nous allons faire? À qui cop, qui plan, qui déploiement, qui résultat? En attendant, il faut qui disposition qui prend tout. Et en attendant, il faut que les nous disent nous allons juger le gouvernement ça sous Zakli, on a parlé de constitution. Moi-même, serviteur Johnny Ferdinand, je viens sous plateau ça plusieurs fois comme président en commission spéciale sur l'amendement constitution. Eh bien, nous-mêmes, qui travaillons dans la 50e législature, nous ne pouvons pas être campés en spectateur devant un exercice qui peut engager les institutions de l'État qui font réflexion sur la question. Nous faisons réflexion sur la question. Nous voici qu'on l'autre commission, le comité consultatif indépendant que Jovenel Moïse a mis sous pied guerrier. Mémoire, exactement. Donc, moi, je pense que deux commissions, ça y est, ont un rôle extrêmement. Et jusqu'à présent, nous pouvons tendre. Et c'est là, sous sa forme, disons, qu'on ensemble d'anciens députés écrit le président du conseil là pour rappeler que dans la continuité de l'État, il y a une nécessité urgente pour que deux commissions, ça y est, rencontrées avec eux, pour nous capables de garder comment nous avons une constitution. Et le gouvernement, ça, il faut le dire, nous, parce qu'il y a plusieurs gens pour avoir une constitution. Et il y a plusieurs façons. Donc, ça en lui-même, de réforme, là, c'est qui processus nous prend. Ça, son deuxième point, et Johnny Ferdinand. On nous parle de la cohabitation entre le Premier ministre et le Conseil présidentiel. Nous avons souhaité tout que les fêtes ont gens que nous avons que gouvernance en fluide. Que ce n'est pas une aboume avec l'autre, et puis soit attendez à perdre du temps, et puis nous pas arriver côté nous prendre. Transparence, c'est important tout. Nous avons besoin de connaître, nous avons besoin de comprendre. Qui j'en ministre qui a une allégeance politique pour dépenser comme l'État? Ou comme l'État pas passer pour yo aider candidat dans la prochaine élection, mais nous pral garder tout comme yon pral former. Exact ça, yon a parlé de nous pral sur le CEPA, c'est 9 membres. Par exemple, on est qui secteur pour désigner CEPA? Parce que, gon accord 3 avril qui prévoit un CEPA, oui, mais accord 3 avril qui prévoit CEPA, ça, li prévon CEP avec des secteurs côté que par exemple il y a des secteurs que nous pas ouais la donne et nous penser que par exemple nous t'aimon CEP qui gagne un représentant diaspora la donne pour qui ça parce que dans carrefour historique ça nous pas oublier que si Haïti a vive c'est parce que nous c'est nous qui frère nous cap aider nous de côté eux donc yo gon droit Johnny Ferdinand yo gon droit guerrier du seul pour voter dans prochaine élection donc tout ça nous pral garder c'est sous ça nous pral juger Gary Conille et son équipe c'est si toute ambition ça légitime
peuple haïtien li jwenn une réponse dans action dans acte que gouvernement ça va poser. Il y a besoin que dans la loi yo reconnaître notamment dans la loi électorale on seul ligne Johnny Ferdinand. Les haïtiens vivant à l'étranger en qualité d'électeur. Du moment où reconnaître yo qualité ça, l'état lui-même va l'obliger prendre disposition parce que dans consulat nous yo, ambassade nous yo, nous gagne des machines qui permettent que haïtiens al voter les gagne élection. C'est un bel bagage m'a regarder image à Paris communauté brésilienne qui a fait ligne en dimanche pour y aller voter pour président pays pendant qu'il a vivre en France. Il y a plus que 100 pays qui permettent diaspora de voter. Pour qui ça pour Haïti toujours derrière cabote là? Non, ça aussi des bagages côté que gagne une bonne possibilité tout pour nous corriger ensemble de bagages pendant la transition là. Une bonne possibilité tout pour nous faire des bagages que nous pas fait pendant longtemps. Il faut en faire par exemple, on a parlé de réforme constitutionnelle, faut tout regarder tout, on série de loi d'application. Loi d'application sous parti politique. Comment pour nous montrer? Loi d'application sous financement. Loi sous financement parti politique. Loi électorale. Loi sous parti politique. Tout ça, sont ensemble de lois pour nous regarder tout, de telle sorte que même que nous connaissons que c'est sécurité, élection, avec réforme constitutionnelle qui est la grande priorité, mais nous avons profité de transition pour nous réaliser une série de bagages que le peuple attend. Et voilà, compatriotes haïtiens frères sœurs, nous sommes dans la Botimamite. Tout détail, toute explication que Jerry Tordieu lui-même li tabay. Ce qui est extrêmement important, compatriotes haïtiens frères sœurs, c'est le défi qui gagne devant le Conseil présidentiel transition. Défi qui gagne pour arriver à entendre, pour arriver à mettre les gens qui sont capables et pas marrer pied gouvernement. Et faut Gary Conny lui-même tout livrer qui ça qu'a fait à travers chaque ministère. C'est pas un nique mettons ministre, vous comprenez, suivant chapelle politique là politique que lui appartenu et puis pareiller ça qui pral passer à travers direction générale yo, ça qui pral passer à travers et secrétaire d'état yo etc. Mais c'est assuré que bon cohésion ou c'est premier ministre ou veiller avec action gouvernementale là. Même là, ce n'est pas le conseil des ministres qui gagne, mais il faut qu'on rapport qui va où. Depuis c'est l'argent qui a décaissé, depuis c'est moun qui a rentré dans l'administration, et d'ailleurs, son période de transition, est-ce qu'un ministre qui a peine monté a le besoin changer et changer, bon, ça arrive, il changer moun qui a dans le bureau, li, etc. Et conseiller, li, chef cabinet, li, etc. Vous comprenez? Mais est-ce que li besoin de coincer moun, mettre moun dans le ministère là? Est-ce que le besoin de mettre petit boubou, petit ménage, petit beau-frère, petit belle, cette famille en dedans ministère là? Là, si premier démarche Gary Conny, c'est arrivé réduit ministère yo, réduit nos postes ministériels yo, etc. Sorti de 18 ministères, 18 ministres tombé à 14 ministres pendant la fusion de l'autre ministère yo, ça veut dire c'est parce que livre réduit nos dépenses l'état yo. Pour éviter des dépenses futiles, pour éviter l'argent gaspillé et gagoté. Mais en dépit du fait que l'ivre réduit dans les dépenses, mais il faut que l'ivre à ce que ministre, secrétaire d'État, même, yo pas à augmenter notre dépense l'État par rapport avec nous, petits amis, petits ménages, petits bouboutes, yo pas le fourrer dans l'État pour satisfaire non seulement l'intérêt par yo, chapelle politique que yo sorti là dedans. Ça, son premier remarque. Mais bagay qui est extrêmement important journée aujourd'hui, on m'a dit m'a retourner sous lit. C'est le fait que nous gien Port-au-Prince qui ganglé, qui gangsterisé. Ministère yo qui côté yo yé compatriote haïtien frère sœur yo dans cœur Port-au-Prince. Et nous ouais, gien ministère qui yo même journée aujourd'hui c'est abri provisoire. Gien l'autre ministère ministre même fonctionnaire l'état yo pas ka là-dedans pour qui ça parce que bandi occupé zone là matin midi soir c'est attaque bandi matin midi soir ministère ça yo institution l'état ça yo bâtiment public ça yo ciblé kounya est-ce que nous pral gen un nouveau gouvernement là qui pral louer chambre hôtel qui pral louer vous comprenez qui pral louer l'autre résidence pas connait dans qui zone etc. Peut-être dans la zone Musoa, tout près de la d'accueil, côté que la police concentre force, concentre venue, pour dire qu'on peut mettre cabinet, on peut mettre bureau. Est-ce que nous comprenons? Tout ça, yon compatriotes haïtiens, frères, c'est ce n'est pas pour nous veiller, pour nous dénoncer et pour nous poser problème, non. Si nous sortons dans 18 ministres, nous tombons dans 14 ministres, c'est pour au moins pour l'État
reste dépenses ça yo que ministre a pral gagner deuxième résidence etc., privilège pour nous réduire pour nous au moins satisfaire population mais qu'on y a pas quoi c'est retirer comme ça et puis pour nous payer hôtel. Donc nous là n'a comprendre principale préoccupation besoin urgent c'est résoudre problème sécurité hein. Résoudre problème sécurité hein. Pour malheureux et malheureux yo qui t'ai occupé bâtiment public yo pour retourner la caillo pour moun ka circuler libre ça qui pral aider réduire avec question insécurité alimentaire parce que depuis moun nan li a fait pénitence li la bad de l'eau pour le faire ben la travail n'importe gens ça il a manger mais si pas gen travail li pas ka circuler son côté le chita si moun nan piel misère nan des groin ni donc c'est tout normal pour moun ça retomber dans une situation difficile et des pour dans situation difficile ou pas ka manger ou pas ka satisfaire besoin primaire ça yo. Eh bien, qui soit pral faire pas délinquance ka augmenter, c'est pas gang nan ka augmenter, c'est pas criminalité ka augmenter. Donc compatriotes haïtiens frères chèm, gouvernement ça li gen gros défi devant. Premier ministre Gary Cognac qui pri gen gros défi devant. Donc nous même toujours dit ces résultats n'ap tann, ces résultats nous besoin, donc pas gen route pas bois. Et heureusement hier m'ta dit ça. Heureusement journée jodi an là, notre démarche que groupe qui constitue opposition face avec pouvoir ça nous plus ou moins ouais son opposition Jean Yodi li parce que nous t'a regardé principale opposition avec équipe qui là c'est équipe Guy Philippe là nous t'a songé porte-parole Guy Philippe maître Patrick Gilles li t'a dit yo même yo son opposition constructive si yo son opposition constructive yo là pour yo yo a veillé sa pouvoir faire yo a prendre note yo a dénoncer yo pas là pour yo voyer al mettre l'huile sous monde al craser route al couper route al mettre différents poteaux ça veut dire que gouvernement sa pouvoir qu'il a yo bon chance quand même si yo bon chance parce que yo face avec opposition et pas tant qu'André Michel Jean t'a fait sous Jovenel craser al souffler tête vagabond al mettre l'huile sous tête monde al craser bâtiment l'état yo al mettre poupou dans parlement. Au moins là, pouvoir, gouvernement Gary Cognac, si yon gen volonté, si yon gen toute l'attitude pour yon délivrer aux marchandises, si yon vle tout, si c'est zéro corruption, je Gary Cognac dit tolérance zéro avec corruption, si, et pas seulement parler pour yon agir, donc nous ka espérer plus ou moins yon aller mieux pour la population. Mais ça qui est extrêmement important dans l'intervention, territoire Dieu a ces questions ces problématiques diaspora haïtien qui dans diaspora qui yo même c'est yo kembe pays a c'est yo k'ap voye kòb en Haïti c'est yo qui a occupé famille c'est yo qui a la charge de toute dépense k'ap fait en Haïti donc journée jodi an nou kwè nan nouvelle constitution k'ap gen pou fèt lan fòk yo ba yo plas yo. C'est haïtien yo a pas entière, c'est haïtien yo yo quitté pays yo te quitté pays a pour une raison. Et le fait que c'est pour une raison yo te quitté pays yo toujours attaché avec pays yo, code lombique yo toujours mari la caillou dans pays yo. Ça prouve que nous supposons nous doit prendre et considérer en tant que tel, en tant que des haïtiens à part entière. Haïtiens à part entière, nous pas seulement wè yo comme et passer à la caisse, comme moun ka vide l'argent ba nous. Mais nous voyons comme haïtiens qui gagne possibilité pour yo aller dans l'élection, c'est des électeurs yo yé, vous comprenez? Yo ka aller dans l'élection, yo gen droit de vote yo compatriotes haïtiens frères. Donc et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc bataille en journée jodi an, c'est garder comment la nouvelle constitution ka gagne, comment effectivement diaspora li ka intégré, li ka joindre place, li ka voter dans n'importe pays lié à li ka éligible. Donc m'pense jounen jodi an et gen an pile question qui pose et réponse yo compatriotes haïtien frères sœurs yo nan men et acteurs qui sous pouvoir yo nan men moun sa yo qui gen mayet lan nan men yo compatriotes haïtien frères sœurs c'est là n'a mete un bout dans émission pour jodi an c'est un véritable plaisir pour nous te porter information si la yo pour rete connecté à channel lan pour reste programmation an. Rendez-vous à l'Alcassé dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien? Où est mes pays? Et puis, on agit.
débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel parle là pour qu'a bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle épée, nous bras le fait débat, c'est toujours même Yannick l'en même voix.